La région de Hong Kong se prépare à l'arrivée du typhon Hato. Les services météorologiques ont déclenché mercredi matin le signal d'alerte 10, le niveau maximum dans l'ancienne colonie britannique. Attendu dans l'après-midi, le typhon a déjà généré des rafales de vent soufflant à plus de 160 km par heure. Sur l'île de Lantau, à l'ouest de Hong Kong, les vents ont déjà emporté des échafaudages, des arbres et des grues, et des quartiers entiers sont déjà inondés. Selon les autorités aéroportuaires, 420 vols ont été annulés mercredi matin et les transports terrestres fonctionnent au ralenti. La bourse de Hong Kong a été fermée et pourrait ne pas rouvrir dans l'après-midi en fonction de la météo. Hong Kong's biggest cyclone ever will scare you to death. You can see the sky, a huge cloud formation, and one of the guys is just flying away with a huge wind. You can see the sanctuary. The cover is just moving for the high speeding waves. Guy is trying to save. Oh!